Pèlerin de l'Oratoire Saint-Joseph, téléspectateurs de Sel et Lumière, nous sommes rassemblés ensemble en cette Eucharistie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe est aux intentions de Madame Chalot, en remerciement à Saint-Joseph. Prenons quelque temps pour descendre au fond de notre cœur, pour accueillir davantage le Seigneur, lui qui scrute les reins et les cœurs. Demandons que sa miséricorde en chasse la haine, la rage et la méchanceté. Seigneur Jésus, grand prophète de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, descendant de David, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Messie glorieux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés, qu'il nous affermisse dans la justice et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, « Coupons l'arbre à la racine. » Retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. En toi, mon espérance, Seigneur mon aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui,
possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui, le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas à ramener? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer. » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors, toi aussi tu es de Galilée. Cherche bien et tu verras. Que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, l'Évangile de ce matin nous invite d'emblée à revisiter notre foi. Jusqu'à quel point et de quelle manière écoutons-nous la parole faite chair dans le Christ Jésus? Me semble opportun, au-delà de l'intrigue de ce passage que nous venons d'entendre, de remonter un peu plus haut dans l'Évangile quelques versets qui nous donnent, en quelque sorte, l'enjeu profond de la foi. Le dernier jour de la fête des Tentes, qui est le plus solennel, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de sa poitrine. » Voilà Jésus qui interprète l'Écriture avec conviction et qui nous fait une telle promesse. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de sa poitrine. Cet enseignement est surprenant, est inédit, est radical, est engageant. Et Jésus le proclamait au temple, voire plus précisément, nous dit le texte, le criait à la foule. Jésus parlait du plus profond de son cœur,
Alors, ces paroles comportaient une réalité évidente pour faire comprendre. Qui ne sait l'importance de ces besoins humains que sont l'apaisement de la soif et de la faim? Alors, bien utile, hein, ces fontaines, surtout dans ces pays assez chauds et désertiques, ces fontaines dispersées ici et là pour accommoder les passants. Mais Jésus se fait fontaine. Il se fait fontaine parce qu'il est sauveur, et pour le démontrer, bien, il les invite à passer du monde visible au monde invisible, parce que par ses paroles, il nous révèle un lieu d'alimentation de la vie profonde, intérieure, spirituelle. Et je pense bien que ce n'est que par les yeux de l'âme et les oreilles du cœur qu'il faut accueillir cette offre de lui-même comme nourriture venue du ciel. Pas étonnant que cette prétention de sa personne pose question. À qui donc, au fond, donner sa foi? Pour la foule, serait-il donc un vrai prophète? Pour les soldats, n'était-il pas un intouchable admiré parce que personne n'a jamais parlé comme cet homme? On est bien proche ici de croire en lui. De leur côté, les grands prêtres, docteurs de la loi, se montrent comme des réactionnaires religieux, inquiétés dans leur propre foi, fâchés, prenant le contre-pied de ce beau parleur. Et ils ne craignaient pas même de traiter la foule qui écoutait, suivait Jésus, de maudits, de naïfs trompés. Jésus leur fait peur. Ils ne croient pas en lui. Par ailleurs, cet admirable et courageux Nicodème, qui est aussi un pharisien, qui est membre du Sanhédrin, et qui lui-même, connaissant la loi, avait au fond de son cœur un esprit de justice et la réclamait pour Jésus. Jésus dont il avait auparavant davantage connu les paroles et les œuvres. Sinon, était-il disciple de Jésus? Il était un sympathisant honnête, presque un croyant. Frères et sœurs, croyons-nous en Jésus. Frères et sœurs, nous-mêmes, est-ce que parfois nous n'avons pas par ailleurs des instants de mollesse? Nous avons peut-être besoin de nous rafraîchir, de nous réalimenter. Profitons de cette Eucharistie en nous souvenant aussi de ces paroles de Saint Jean qui tantôt nous ont été données à l'acclamation, qui nous invitent bien sûr à nourrir notre foi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Telle est notre foi. Amen.
de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sauve-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec confiance maintenant que nous disons cette prière qui nous rassemble tous alentour de la même table de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le sang de Jésus-Christ dans cette coupe, nourrissant-nous la vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
vos frères et sœurs. Chers pèlerins, je vous invite à vous unir à moi dans cette prière pour notre nouveau pape François. Seigneur Jésus-Christ, pasteur de l'Église universelle, nous te remercions pour Jorge Mario Bergoglio, qui a accepté généreusement de mettre sa vie au service de ses frères et sœurs dans la foi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as établi ton Église sur le roc de la foi de Pierre, garde-nous dans ta charité. Que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, veille sur François, notre pape, et sur tous ceux et celles qui te suivent et font de toi la pierre angulaire de leur foi. Le cardinal Jorge Mario Bergoglio a été choisi pour guider ton Église, peuple de Dieu en marche. Donne-lui ta lumière nécessaire pour comprendre les besoins de l'Église et pour discerner ta volonté. Donne-lui la force pour guider l'Église dans une fidélité constante à l'Évangile, vers toi, sa lumière et son espérance. Amen. Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.